Jeudi à ce mercredi 15 novembre 2017. Il fait exactement 5h à 4 minutes. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Radio Parla, Signal FM 90.5 et puis sur www.signalfmhaiti.com. C'est troisième sortie journal Signal sans force côté qui entre la caillou pour semaine ça. Main titre qui domine actualité à. Séance en plénière pour sénateur été penché sur rapport commission spéciale qui t'a approfondi enquête commission éthique et anticorruption sur gestion fonds Petro-Caribéa pas arrivé dans Boutli. Sénateur demandé reporter séance pour 30 novembre cap vini là. Yon façon pour qu'a pi bien analyser document si là. N'a pas pour suivre avec José Alexis donc ba nous plus détail sur séance ça qui était fini presque dans 11h hier soir. Agent de Jimmy Boya qui sorti dans 18e promotion avec Philly Doggy Evans, agent de qui sorti tout dans 22e promotion tombé en babal dans échange coup d'am avec présumé bandit. Dans cadre yon opération garçon pas en PPNH la mené lundi 13 novembre passé à la Grand Avine, des policiers ont perdu la vie, 3 présumés bandits mouri, 4 l'autre blessé grave y a pris soin l'hôpital et puis 31 moun jwenn arrestation yo d'après confirmation porte-parole à la direction départementale à l'Ouest, police nationale là, Jean Ismaël Auguste. Premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine accompagné directeur général à PNH là Michel-Ange Gédéon visité à Yemadia base à Udmo dans Cité Soleil. Jacques Guy Lafontaine a porté solidarité le bail à unité départementale à médecin d'ordre là Udmo pour qu'on ait la qui en deuil. Pour une autre fois, opposition politique a manifesté dans la Report au Prince pour corriger rapport commission spéciale sénatoriale qui a approfondi enquête sous gestion fonds Petro-Caribéa. Yon l'autre manifestation programmée pour samedi 18 novembre cap Vinila. Célébrer 4 l'année d'existence collectif 4 décembre dans tête collée avec diverses autres organisations dans la société civile là a annoncé une marche pacifique pour mardi 5 décembre qui a venu là dans Port-au-Prince pour dire non à la corruption qui a brassé bill administration publique là. Ancien ministre de justice Camille Junior Edouard Boudé convocation commissaire gouvernement Port-au-Prince comme l'était déjà déclaré ça. Cependant Camille Junior Edouard voyé avocat li Franck Vaneus Napoléon Lotu ak Berto Dorsey représenté li devant Oknam Clamé Damayis qui lui même pas de présent dans paquet Port-au-Prince. Ancien journaliste Radio Haïti Inter et puis ancien député 46e législatif Jean-Laurent Nelson mouri hier mardi matin dans le pays qui bat. Jean-Laurent Nelson qui était 59 l'année mouri dans un cancer. Il était plusieurs mois la pas supporté. C'est titre ça y a quelques autres encore qui pourra le faire essentiel journal sans force côté pour mercredi 15 novembre là. Restez branchés n'a tourner dans quelques secondes. Signal FM, nous pi fort, nous pi haut, nous pi loin. Signal FM 90.5, c'est radio qui fait équilibre. Merci Desco, toujours été branché 90.5 lan Signal FM et puis sur www.signalfmhaiti.com pour informer ou dans les manœuvre technique c'est Fabrice Bolané, production Ferro des Sources, coordination Josué Lexidor, en bas supervision Tom Dumont, rédaction Arnold Dorsius et puis Nami quoi pour présenter au journal ça, c'est toujours les mêmes Arnold Dorsius qui souhaite passer une très bonne journée sur Radio Parla Signal FM 90.5. Mais journal là en détail mais n'a pas démarré avec un dossier parlement côté nous connaît sénateur hier était dans une séance en plénière côté il était gagné pour pencher sur rapport commission qui t'a pas approfondi enquête sur commission éthique et anticorruption sous gestion fonds Petro-Caribéa. Mais c'est une séance qui pas arrivé dans boutli sénateur yo même yo mandé pour reporter séance ça pour 30 novembre cap venir là dans l'idée pour cap bien analyser rapport si là donc yon quand même séance li même li té rivé faite après plusieurs sénateurs yo même yo té répondre présent environ 17 sénateurs yo même qui té présent nous praler pour nous gagner plus de détails avec Josué Lexidon l'homme en parlement li même li té dans parlement depuis hier matin pour regarder comment ça té avec sénateur yo qui té fait un débat quand même sous séance ça mais yo té font débat pour té présenter rapport mais son séance qui pas arrivé dans bout li sénateur yo demandé eux-mêmes pour séance aller même
événement li reporté pour 30 novembre qui vient là. N'a gagné plus détails avec Josué Lexidon lui-même qui était dans parlement dans séance marathon si là. Josué, bonjour. Allô Josué? Oui, Josué Lexidon, hier nous connaissons dans parlement et séance li même était déroulé, mais quand même séance li pas arrivé dans bout li et qui explication cabano de séance qui pas arrivé dans bout li? Allô, Josué Lexidon. N'a gagné toute information avec Josué Lexidon lui-même qui était dans le parlement côté séance lui-même li était déroulé sous rapport commission lui-même qui est pas arrivé présenté pour débattre fait dans le parlement haïtien et spécialement dans le Sénat républicain. N'a bien avec nous Josué Lexidon. Josué Lexidon, bonjour. Bonjour Anan, bonjour tout super merci. Ça passe côté eux. Je vais te dire s'il y a l'actualité. C'est un plaisir pour nous là, pour nous parler sur séance hier là, qui est de même que tout le monde t'appelle, sur dépôt, on a dit, l'Assemblée avait gagné hier pour te sanctionner rapport commission spéciale qui était pour mission. Approfondi, ce rapport commission éthique à l'anticorruption sur gestion, fonds pétro-caribéen, eh ben, malgré toute attente, alors, contre toute attente, c'est un plan qui est fait parce que t'es arrivé à un moment, alors. Oui, oui, alors, je suis nous là. Oui, oui. Alors, et, nous avons dit contre toute attente parce que t'es arrivé à un moment, dans une année, notamment, nous, tout le monde qui était accrédité en bas, est-ce que c'est un ça lui-même, la produit est faite? Parce que depuis 4 heures, c'est le sein, on a pu remarquer que le sénateur Bini, d'autant plus, le sénateur Joseph Lambert, la veille, était dedans, eh bien, il pourrait proposer que pour ce qui est de l'unité à faire, parce que le sénateur lui-même n'a pas de temps, lui-même spécialement, il n'a pas de temps imprimé, il n'a pas de temps vraiment. Et puis pour comprendre le rapport, hein, donc c'est la sensation du compte tout à temps, mais finalement, le sénateur était une fête, et 17 sénateurs étaient répondus prison dans l'appel nominal, bien sûr, par la suite, tu n'as pas gagné, le sénateur qui n'a pas venu, et bien, le sénateur était lui-même a déroulé. Ça nous dit l'autre fait à l'ordre qui était bien dans ce sens, c'est que contrairement à sa présidente, ce sens-là, il voulait la partie de dit, et dans le moment dépôt rapport dans le secrétariat Sénat, il était connu, c'était le seul point qui a figuré dans l'ordre du jour-là, mais quand il a noté qu'il y a condition, ça, l'ordre du jour-là, on a remarqué que c'était 9 points de la donne. Parmi eux, explication, alors, présentation, rapport. L'autre fait, généralement, lorsque nous avons commis son travail, et pour l'Assemblée, lorsque la présente rapport lit, c'est toujours et présentation et vote du rapport. Mais, fois ça, le rapport, là, ce qu'on a dit, c'était seulement présentation qui était écrit. Présentation, il y a un point qui est le suprême. Quelques sénateurs, parmi eux, le sénateur Jean-Renel Sénatus, qui lui-même a voulu que c'est lui-même lui fait sur le rapport, uniquement sur le rapport, mais le sénateur Jean-Renel lui-même a attiré attention le sénateur qui sur le point ça, qui c'est seulement présentation, et bien il dit la rubrique, il prend un coup mal comprendre parce que c'est seulement présentation. Or, habituellement, c'est présentation et discussion sous rapport. Yo, en mode, c'est qu'on fasse la saline, il est déroulé. Mais ça ne dit tout, et majorité sénateur, surtout le groupe majoritaire, yo, parler de quand il n'y a pas de temps pour nous lire à pouvoir, du temps il était gagné un petit peu, et donc il a demandé, donc, pour nous porter sur un stock pour nous l'autre jour, pour nous capable de dire un temps pour nous lire à pouvoir. Donc, il faut nous lire à pouvoir, mais ça nous dit, alors, j'avais une statue directement pour nous, qui ont même été sur les trucs qui n'est pas allé en 2007.
Au contraire, le débat a commencé sous forme rapport, hein, sous quantité de pages du gagné. Et franchement, il y a un ordre pour l'auditeur signé de famille. Et nous avons remarqué, c'est plus, comme tu as dit, c'est comme si tu as dit, tout contraire, c'est jouer s'il y a joué sur une question qui est aussi sensible, aussi importante. Parce que, ouais, imaginez, il y a des sénateurs qui ont des sénateurs qui commencent à demander 8 jours, des sénateurs qui demandent 22 jours. Mais il y a des lots qui sont sensibles, qui sont questions aussi sensibles, aussi importantes, sous dilapidation, alors présomption de dilapidation d'environ 3 milliards de dollars que font plus tout à l'heure, après un peu le monde est gaspillé. Des wagons sénateurs, par exemple, des sénateurs d'un coup, Gélin, qui a demandé 2 mois pour le calibre à bois, des sénateurs Hervé Foucault qui m'a dit 6 mois. Donc, on sent que ce sont douettes, il va être au sérieux à bois. Des sénateurs quand nous racontons qui lui-même a fait qu'on est, bon, lui-même, dans un premier temps, lui dit, c'est un intellectuel, donc personne n'a qu'à forcément aller au bagage qui n'est pas le premier. Mais par la suite, la vie consciente intellectuelle ne lit pas, donc la demande de plus de temps pour le capable de lire, bien sûr, non, bagage même compréhension. Donc, ça, mais Josué, allô? Est-ce que nous sommes capables de dire, donc, rapport ça, et vous présenter, est-ce que vraiment, sénateur, c'est un ou pas gagné, ou bien c'est tergiversation à faire, sous bien amalgame à faire pour rapport ça, ou même, il n'est pas arrivé à représenter vraiment dans le Sénat République, là? Mais oui, c'est ça, Mabdou, alors, si c'est pour le rapport, et dans notre majorité, c'est pour le rapport. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus dans l'objet, qui n'est pas passé. Imaginez que nous sommes de 6 mois, de 6 mois, de 3 mois, de 6 mois, pour nous capables de lire un rapport, de comprendre. Nous sommes vraiment pas de bonne volonté pour appeler, bien entendu, de statuer sur le rapport. Maintenant, c'est pour nous passer à l'ordre, on dit, l'ordre de dépôt et le rapport, par jeudi dernier, et c'était un travail, c'est-à-dire, qui peut être confié. Donc, c'est pas. C'est pour officiel document qui est fait, c'est juste pour sénateur qui est capable de lire connaissance du document. Donc, entre temps, et commissaire, il fait qu'on est qu'il lit la voix, mais il y a remarqué qu'il y a un petit qui faille. Alors, il y a un petit erreur matériel, des petites phrases qui m'a bagarre, qui m'a écrit, c'est ça qui était pour que, en vain, il y a yo mais repassé mais le document mais yo t'es dit non l'enseignant il y en a on est pouti notre document mais Josué allô on dit tout donc est-ce que rapport ça son rapport mon ou bien population ben peuple haïtien pas besoin attendre rien de lui dans affaire corruption lui-même qui ta ou bien fond Petrocaribe qui t'a gaspillé nèg t'a fond en pile route coche la donne donc en ken monde pas besoin attendre que rapport ça lui-même li pral porter ken solution donc pour ta marine qui fait gagote dans l'argent l'état yo on dit bon c'est matériel pour la plupart parce que c'est et pour ta statue sur rapport à voter rapport, de l'univers qui a parlé de l'inévitabilité rapport, donc il parle de fonds, il parle de fonds, etc. Pour pas sentir le volontairement de ce qui va continuer, c'est la dernière pour ta, alors pour la majorité, pour ta statue sur rapport, pour ta statue justice, avec ce pays. Mais comme dit, les commissaires qui disent, on ne travaille pas, ils ont même le fait. Eh bien, c'est population. Hein, c'est population. Qui, lui-même, dans son note, dit, eh bien, il raconte, hein, qui peut voter, qui va voter, donc c'est population. Lui-même, qui, lui-même, ça a jugé, c'est lui-même qui fait le juge. C'est lui-même, c'est population normale par rapport à ce rapport, ça, qui, lui-même, présenté. Hein. Et donc, que le sénateur vote-t-il, que le sénateur vote-t-il, donc c'est le travail que nous sommes lui. C'est bon du tout, et que nous sommes lui. Allô, Josué?
Allô? Oui, allô, je suis donc Fonzi pour séance hier soir, côté sénateur fait une époque 4 à 5 heures de temps. Donc, à Palampil, c'est Palampil, donc pas gagné sérieux que tu as dit dans le Sénat République là. Pas gagné rien de concret, de consistant qui se dit sous la voie, si tu mets une présentation de la voie qui fait par l'Assemblée. Mais l'Assemblée, vous sentez, c'est plus de parole en pile, c'est plus parler en pile pour passer du temps, pour faire pour les temps, c'est ça qui a fait. Alors, et après, en pile observateur, voilà. Donc voilà, Josué Nabdou, merci donc pour la programmation ou bien rapport encore les projeté pour 30 novembre qui vient là pour sénateur encore aller rouler des bords dans séance encore. Donc c'est samedi et c'était d'abord le petit position avant de vous en aller et puis voit des difficultés mais quand il y a son temps et ça répond à son voilà, ok, merci beaucoup Josué. Ok, non, voilà. Donc, c'était Josué Lexidor, l'homme en parlement. Lui-même, c'est lui qui a crédité dans le parlement haïtien pour Radio A. Côté Ariel, t'es dans séance. Côté sénateur, yo-même, yo t'es gagné pour pencher sur rapport commission éthique et anticorruption qui te travaille sur enquête, ancienne commission. Yuri, là, tu t'es gagné en tête, lui. T'es fait déjà, mais malheureusement, rapport ça que t'es de présenté hier, pas présenté. Donc, sénateur, yo-même, yo évoqué un problème en deux temps. Yo pas gain temps pour analyser rapport avré alors que c'est une question de roulem de bord, c'est une question de partisanerie qui a fait dans rapport si là dans même temps hier dans après-midi sous demande coalition organisation démocratique yo plusieurs dizaines de citoyens manifesté mardi 14 novembre là dans la rue Port-au-Prince. Protestateur qui t'a la dénoncé budget 2017-2018 là t'es tout profité à devant parlement pour mander la justice mettre en bas code diverses personnalités qui t'a impliqué dans gaspillage l'argent fonds Petro-Caribéa. On suive comment ça t'est à un ami micro du donné ceci. Voilà, ou t'as écouté qui j'en s'attire, manifestant eux-mêmes qui étaient débarqués devant le Parlement haïtien pour aller demander négo, mettez en bas code tout le monde qui est impliqué dans le rapport Fonds Petro-Caribéa. Mais malheureusement, le rapport s'il a lui-même, il n'est pas arrivé présenté. Donc, sénateur eux-mêmes, il a fait, roulem de bois, il a fait tergiversation pour le rapport s'il lui-même, il n'est pas présenté. Donc, ou t'as entendu Josué qui dit qu'il y a qui m'a dit 2 mois pour rapport présenter, il y a même qui m'a dit 6 mois. Donc, ou qu'à comprendre, le rapport s'il n'est pas jamais présenté, dans le Sénat République, là. Manifestation, ça a été déroulé sans
incident est démarré dans divers la rue dans Port-au-Prince, dans divers coins dans Port-au-Prince, c'était passé dans divers coins dans Port-au-Prince. Tacou yoté est passé dans place des Salines, yo fait chant de masse, yo passé devant l'église Saint-Jean Bosco dans Belin, yo fait carrefour payant, yo prolongé Delma et puis yo entré Delma 2 pour tal devant parlement haïtien pour tal supporter rapport si là qui pat rivé présenté hier et mardi à nan Sénat République là. Des policiers tombés en babal, trois présumés bandits mourir, quatre l'autre agent PNH a blessé grave à prendre sur l'hôpital, avec 13 moun jouen arrestation yo. C'est bilan. Opération la police te mené à lundi dans Grand Ravine, d'après porte-parole la direction départementale l'Ouest là, Jean-Ismagne Auguste, qui veut faire connaître, qui fait connaître tout, ça arrive fait côté yon 12 individus à gros amlou nan men yo te tiré sous policiers yo dans zone Grand Ravine, nan côté yo ta la mené opération ça, sous affaire policiers civils là, ak victime yo nan cadre démarche la police ta mené nan cadre opération ça. Donc en porte-parole de Dewa li même li pat bay anken déclaration sous ki quantité moun ki ta mouri nan cadre opération si là. Entendez explication porte-parole la direction départementale l'Ouest PNH là, Jean-Ismagne Auguste, qui t'a répondu une question collaborateur nous, Micheli Alexis. Suite à une situation de tension qui t'a développé au niveau de Grand Ravine, il y a de cela de quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, que j'ai gagné des individus armés qui prennent population Grand Ravine en otage. Donc, population, l'idée de faire recours à la police, et côté que la police de Port-au-Prince, et notamment les unités spécialisées du département, qui planifient et organisées, ont opération qui était en présence de DG de paix de la section Est de Port-au-Prince. Et côté que toute bagarre a bien déroulé le lundi matin 13 octobre à partir de 5h AM. Les gens tournant, l'opération a été bien commencée, elle a déroulé très bien, jusqu'à ce que le pasteur Louis Armand, qui est aussi le directeur du collège Maranatha, est venu relayer les policiers et pour le talfeu décacheter un ensemble des armes qui n'ont pas entrepôt d'après première information que les policiers ont pris au mot, mais malheureusement les policiers arrivés à l'endroit indiqué qui c'est un dépôt, il n'y avait pas d'armes vraiment à l'intérieur de ce dépôt, mais de préférence des individus armés qui ouvrit des armes automatiques et sous policiers. Et policiers ont été dénombrés environ au moins 12 individus et qui étaient lourdement armés de Galil et de Kalashnikov. OK? Qui étaient ouvrés feu sous policiers et côté que nous avons deux policiers qui étaient tombés sur les champs. Et nos policiers, ça, c'était Jimmy Boyard, agent 2 de la 18e promotion, et Philippe Louis Evans, aussi agent 2 de la 22e promotion. Combien de policiers qui blessés en tout? Donc, nous avons 4 policiers qui blessés et qui commençaient et rétablissaient au fur et à mesure. Et bon côté présumé, bandit ça, et chiffre, c'est combien? Blessés ou arrêtés ou tués? En réponse à l'attaque bandit, il y a trois et bandits qui stoppé. Stoppé, vous voulez dire qui ça, DDO? Mais stoppé dans leur action, dans leur reprisage. Donc, en réponse, il y a trois qui stoppé par les policiers. Donc, qui tombé? Il n'y a pas moins de 31 arrestations. Tout à fait. Alors, mais il y a un bilan qui paraît floué jusqu'à présent. C'est bon côté population civile, là. Donc, jusqu'à présent, nous avons un bilan exact qui montre combien de monde dans la population qui est victime de l'opération, ça. Bien entendu, et bandits ont tiré à tort et à travers. Vous voyez? Donc, justement, pour nous être capables accompli forfait ou bien échappé et à bas vigilance la police. Non? Donc, ils ont trouvé, ils ont tiré et à hauteur d'homme, ils ont tiré sous policiers et ça arrivait qu'il y ait de monde en dedans et population qui est aussi victime. Vous voyez? Donc, parce que ils ont vraiment tiré et ceci avec d'armes de longue portée, d'armes automatiques. Donc, et ça arrivait, il y a des dommages.
agents et par les bandits au niveau de la population. Mais c'est combien de chiffres, beaucoup de civils? On n'a pas vraiment dénombré, sinon compté et perte civile, c'est ça. Voilà. Mais il y a une formation, oui, Dédéo, qui fait quoi, t'as gagné environ, alors pas moins de 7 civils, qui t'a tombé parmi les deux filles. Non, jusqu'à présent, il y a une formation qui nous gagne, il y a une formation qui nous gagne, qui nous dispose, c'est l'état de 3 morts et du côté des bandits. Voilà, au top côté et porte-parole DDOA Jean-Ismaël Auguste, les mêmes qui t'a pas explication sur bilan et opération la police te menée dans Grand Avenue, mais c'est selon quelques informations, t'assemblé et opération ça lui-même li a continué dans Grand Avenue entre la police avec présumé bandit dans zone ainsi là. Accompagné avec le directeur général PNH là Michel-Ange Deyon, premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine a visité Ayamadia base à Udmoa, dans Cité Soleil. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a porté solidarité by unité départementale médecin d'ordre à Udmo qui en deuil après yote fin perdu dès dans Mambio qui tombé en Bakoudzama, bandit, présumé bandit dans Grand Ravine. En écoute explication, premier ministre Jacques Guy Lafontaine dans micro, Dieu donné Saint-Cyr. Son visite de sympathie que nous avons fait matin. Hein. Non seulement on visite de sympathie, mais son visite de solidarité tout, avec tout policier qui fait partie de l'unité spécialisée la police. Hein, parce que le un policier tombé, c'est un monde famille qui tombe. Et moi-même, comme président CSPN, j'ai été contacté déjà la police. Je trouvais que c'est un devoir pour me décaverner, pour me dire policier, aucun béferme. Travail ça a fait, il y a pile valeur pour nous. C'est travail ça a fait qui permet que les paisibles citoyens dorment dans la cabane chaque jour, que nous apprécions ça a fait, que la République apprécie ça a fait. En gros, c'est le but visite nos matins. Direction générale, la police fait contact avec eux déjà et nous profiter de l'occasion ça avant que nous-mêmes nous gagnions chance de vivre voir pour nous présenter aux sympathies. Nous avons profité pour nous dire ça. Dans un moment difficile, ça, la police est avec nous, le gouvernement est avec nous et nous allons prendre toutes mesures jugées nécessaires pour nous accompagner. La police nationale a fait un très bon travail et la police nationale a un support administration Moïse Lafontaine. Merci Desco, toujours été branché Radio Paul à Signal FM Haïti.com et Signal FM www.haiti.com pour informer dans l'essai n'a pas continué avec un dossier et FADH dans le cadre d'une conférence pour la presse Libye lundi 13 novembre passé à ministre défense confirmé remobilisation nouvelle force l'armée d'Haïti pour samedi 18 novembre Cap Vinila dans ville Cap Haïtien. D'après ministre Hervé Denis, il y a environ 150 militaires qui recevront formation dans le pays équateur Cap Gain pour défiler dans la ville au Cap. Yon a manifestation ou bien yon activité en pile moun dans la société a yon même yap tan pour est-ce que l'armée d'Haïti li même la pas remobilisé. Donc, date là c'est pour 18 novembre pour commémorer 214e anniversaire bataille vertière. On suit le reportage avec Daline Dorival. Arrêté pour remobiliser la MEA a sorti 17 novembre Cap Vinila. Pourtant, soldats yo a gen pour défiler dans la rue 18 novembre, date pour commémorer 214e anniversaire bataille vertière. Président République là, Jovenel Moïse, t'es déjà annoncé arrêté ya. Ministre Défense l'a confirmé, la MEA d'Haïti a dans la rue samedi 18 novembre Cap Vinila. Puisque d'après Hervé Denis, Haïti c'est un pays qui a une tradition militaire. Que 18 novembre sont date importante pour nous. Si pas de 18 novembre, pas de indépendance d'Haïti. Institution ça que moi très fier d'en être le ministre et l'y créer même avant même que le pays a été créé. Pour nous pas jamais oublier ça. Tout Haïtien de tout ordre qui gagne que nous avons un pays qui sorti dans la bataille que l'ancêtre nous a fait pour le mettre sous pied et l'institution qui a été créée pour le défaire, ça a été les longs armées. C'est l'armée indigène qui était formée de anciens libres et de nouveaux libres qui venaient, qui a arraché l'indépendance, nous au prix de lourds sacrifices.
que nous payons pendant, avant et après. C'est tout à fait normal que pour nous profiter de temps ça, pour qu'on ait envie de parler de remobilisation des forces armées. Nouvelle force la MEA pral gen yon lot mission ak yon lot orientation sin ka kwè Hervé Denis. Ministre défense lan fè konnen nouvo force armée d'Haïti a ap différent par rapport ak l'armée démobilisé nan l'année 1994 la. D'après li, l'armée tout neuf sa pral la pou servi pèp ayisyen yan nan tout circonstance. Maintenant, vision nou gen pour force armée ça. D'être une armée professionnelle et bien entraînée qui est capable de défendre le pays sous tout aspect. Mission nous, c'est d'abord assurer la sécurité et la défense du territoire sous tout aspect, que ce soit intégrité frontière, non, maritime, terrestre, aérienne, fluviale, et participer également à notre mission dans la prospérité pays, dans le développement. Et c'est également d'être une force de réaction rapide que, au besoin, la police pas capable, peut-être une situation dépassée, sous requête exécutif là, n'a pas capable de venir en appui à la police. Ville historique qui t'a accueilli bataille vertienne dans l'année 1803, dans Cap-Haïtien, rendez-vous à Cassé dans la date 18 novembre, Cap-Vini là. Et même si numéro 1 ministère défense l'a pas en mesure pour confirmer date état-major a bien pour mettre sous pied, alors ouais pour équipement matériel pour nouveaux soldats. Ouais pas ouais, rendez-vous 18 novembre. N'est-ce pas ministre Hervé Denis? Matériel nous gagnons, c'est surtout matériel de pour de travaux publics. Donc nous gagnons des bacolodeurs, nous gagnons des excavatrices, nous gagnons des camions et nous gagnons bulldozers, nous gagnons ambulances. Donc c'est des matériels que Corée du Sud a quitté pour nous, l'air est abralé. Donc le président on commande de d'équipement lourd que le fait, que l'on dit qu'il va répartir en différentes institutions, dont corps de génie afghan. Darlene Dorival, Signal FM. Merci beaucoup Darlene Dorival, la collaboratrice. Nous n'a pas connait tout ministre Hervé Denis continuer à prendre bâton pèlerinage li pour sensibiliser population sur nécessité pour la mer remobiliser dans un pays. Ministre Hervé Denis était dans université la Renaissance à Natiojo côté d'Ital bail étudiant explication sur mission la mer qui gens tout monde capable intégrer force la mer à tout pour yon monde entrer dans état major. L'armée, sa nouvelle armée, sa lui-même qui a metté sous pied, fuck li pa nan politique. Donc, les affaires politiques là, yo pas pa négocier avec li nan l'armée, sa tout. Et nous connaissons tout, en pile, fois toute administration publique là, depuis yo pou yon moun entre la dan, fok ou gen marraine ak parraine. Donc, ministre dit li pa nan affaire moun ki nan politique. Est-ce que parlementaire yo même, yo pa pa l'ken possibilité pou yo mette moun nan nouvelle force armée, sa yo même, kap remobilisé 18 novembre, kap vini là nan ville Cap-Haïtien. Et président républicain déjà annoncé 17 novembre la prenons arrêté pour lui remobiliser l'armée d'Haïti. N'a pas continué sénateur Santla dit Corée décision président républicain Jovenel Moïse prend pour remobiliser l'armée d'Haïti 18 novembre cap vini là. Oui le Joseph qui encourage tout secteur dans vie nationale là pour supporter chef l'état pays dans initiative ça, li mandé Jovenel Moïse tout pour continuer multiplier contact li pour joindre l'argent pour le cap pi bien gérer nouvelle force l'armée d'Haïti. En écoutez le Joseph qui était dans le micro, Josué Lexidor. Malgré tout désaccord, moi qui a président sur quelqu'un, sur quelques problèmes, mais sincèrement, question la MEA, moi applaudis. Moi applaudis et demande président pour arranger, pour chercher moyen, pour impliquer tout secteur dans la vie nationale là. Parce que quand il y a l'armée qui était démobilisée ou casée, et tout le monde connaît que grand pile monde dans la société, comme si pas l'armée de bonheur. Ok, madame le président, faire plus contact, contacter plus de monde possible pour parler de projet, parce que moi pour l'armée, parce que moi-même, Mouilo Joseph, moi toujours
gen problème avec façon sécurité pays parce que nous gen problème sécurité dans pays ici, nous gen problème frontière nous yo, nous gen problème forêt nous yo. Ay di la mea moi pour lui à 100% mais moi pour l'armée professionnelle dans pays ça parce que tout vol nous tande gen la yo soit dans Petro-Caribé c'est parce que nous pas gagné aucune entité qui cap en responsabilité pour construire l'école, pour construire route, pour faire tout barrage dans pays. On pense ça, si président, c'est dans logique ça va aller pour que l'armée a là un pour sécuriser pays là, pour contrôler frontières nous yo parce que là nous prend décision fermer frontières, faut nous fermer frontières, faut nous responsabilité. Parce que là nous fait ça ici nous dit diplomatie diplomatie, moins qu'on est diplomatie pas marcher, ça la force. Elle dit une fois pas la force, pas gain diplomatie. Elle dit moins que ça pays là. L'autre pays cagado, ok? Laissez-vous regarder l'autre pays, non, j'ai, c'est ça. Parce que la mer, c'est force. Moi, pour lui, et 18 novembre, moi-même, moi, le map vêtière, moi, pour le garder, j'ai commencé à faire. C'est la mer, t'es démobilisé, président, absolument arrêté, pour le remobiliser, pas un problème. Il doit remobiliser la mer, mais continuer à travailler avec tout secteur. Elle dit, moi, je dis encore moins pour ça, et je pense que tout haïtien, t'a supposé adhérer avec le programme ça, parce que la mer, autrefois, c'est pas lui. C'est pas lui, mais la souhaite ça tout. Parce que tout le monde a un mauvais souvenir de la mère, quel que soit le monde, la meilleure là. Qui donc, je pense que ça, une fois c'est la mère, ça, tout le monde a souhaité, je pense que c'est bienvenu. Et que m'a dit président, je vais camper derrière elle. Et que je demande pour tout haïtien camper derrière elle. Parce que faut que le pays nous contrôle. Voilà, on t'a écouté sénateur Sant là, Willow Joseph lui-même qui dit les Corées pour l'armée d'Haïti, lui-même à les retourner mais c'est on l'autre l'armée c'est pas l'armée qui te canap masse pinet moun nan pays. L'autre dossier n'a pas poursuivre dans l'idée pour célébrer 4 l'année existence collectif 4 décembre dans tête coulée à diverses l'autre organisation dans société civile là annoncé marche a annoncé une marche pour 5 décembre cap venir là dans Port-au-Prince pour dire non à corruption. Mouvement ça lui-même c'est un mouvement qui visait dénoncer corruption lui-même qu'a fini avec administration publique là. Youn nan membre collectif là Anna Marie Issa déclaré cause corruption si là donc mon qui pi riche a cap vin pi riche mais c'est sous dos tout tissi là yo même qui pi pauvre nan pays ya. Donc madame Issa qui t'a participé dans l'émission Haïti aujourd'hui avec Tom Dumont lui-même li lancé un appel pour mander politiciens yo mouvement ça qu'a fait 5 décembre pour pas venir politiser lui. En écoutez Admarissa qui t'a posé une question Tom Dumont. N'a dérapé de la place de la Constitution. Au champ de Mars. OK. Ensuite, n'a pas l'avenue Mani. Donc n'a commencé dans champ de Mars, j'aime des tout à l'heure. Hein. Ensuite, n'a pas l'avenue Mani. De l'avenue Mani, nous n'a fallu vers Charles Sommer, avenue Charles Sommer. De là, nous avons continué vers le ministère de la Justice. Éventuellement, nous avons un message devant le ministère. Oui, probablement. Probablement. Et de là, ensuite, avenue Jean-Paul II. De avenue Jean-Paul II, nous avons allé vers l'avenue Martin Luther King. Et ensuite, nous avons traversé la rue. De la rue, nous avons descendu vers rue Pavée. OK. OK. Pour aller place des Nations Unies. Et n'a fini devant le Parlement. Et c'est contre la corruption. Et c'est pour mettre l'ordre dans des ordres dans le pays. Hein, parce que nous pensons, nous pas arrêter bouche bée, fermer bouche non, pour nous quitter ou pays à détruire comme ça. Et quel que soit le domaine côté haïtien, absoufri, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit en Haïti, ça passe en Haïti, nous pas jamais été bouche bée. Mais qu'on y a, nous venons au point que nous croyons Haïti dit ça n'est assez. Le peuple n'a pas qu'à prendre. L'île litre pour tout le monde comprendre, c'est normal de dire ça pour défendre la parce que vous n'avez pas dit oui, c'est vrai, c'est une enquête correcte qui peut faire pour que yo assurer yo et que yo faire ça pour yo faire garder Brésil qu'on y en ça cap passer ou pas ouais qui ça yo faire mon yo prend là en Asie combien ex président arrêté yo mettre en prison en Chine donc on pas comprendre pour qui ça c'est nous mêmes qui toujours accepter et puis l'on va mettre l'ordre dans des ordres d'où c'est comment dit bah là c'est persécution politique non c'est enquête qui pour mener si c'est persécution politique que nous gagnons des juges sérieux nous gagnons une justice qui a fait travail pour si oui ou non et bah des preuves que ça nous dit enquête nous menons c'est vrai ou c'est pas vrai.
Mais si nous acceptons une enquête et que et représentant paysan yo dit que enquête là bon, sénateur, député, etc. enquête là bon, yo d'accord avec résultat yo. Bon, kounyan son l'autre étape nous passer. Voilà, au tap côté madame Anne-Marie Issa lui-même qui t'a bail explication sur marche cap gain pour organiser 5 décembre 2017 là dans Port-au-Prince pour dire non à la corruption. Madame Anne-Marie Issa lui-même était tout lancé yon piga bail nèg politique pays a li di yo ka vinn participer dans marche là mais piga yo vinn politiser marche là pour yo vinn faire pour yo vinn chercher régler zafè pa yo dans marche cap gain pour organiser 5 décembre cap vini là. Toujours dans le cadre de dossier ça, yon ensemble activité prévoit un couillon sitine à Pagan pour organiser dans tout 10 départements géographiques pays pour appuyer marche à fête 5 décembre qui a venu là. Sinka Kwe, yon initiateur mouvement ça. Pendant le temps participé tout dans l'émission Haïti aujourd'hui, Blaise Jérôme rappelé corruption, c'est yon fléau qui empêchait l'administration publique là lui-même li et progresser pour permettre le développement dans le pays. Dans ce sens, monsieur Jérôme encourage tout citoyen conséquent pour participer dans le mouvement ça pour courir derrière corruption cap fini à cap pays d'Haïti. En côté Blaise Jérôme qui t'a répondu question Tom Dumont. Mouvement anticorruption qui déclenche ya. C'est pas un mouvement de parti politique. C'est pas un mouvement sectaire. Ça signifie c'est pas un mouvement qui vini à partir de rapport parlementaire. C'est un ensemble de citoyens, un ensemble de personnalités, un ensemble d'organisations de la société civile, tant que Croisade pour le développement et le progrès d'Haïti, collectif du 4 décembre, clergé catholique, là, clergé protestant, clergé vaudouisant, qui il y a plus que 2 ans à réfléchir sur la problématique haïtienne, comment résoudre. Et donc, fini par comprendre. Que gagne un anathème. Anathème, ça signifie une malédiction qui pesait sous le pays, qui est la corruption. À partir de ça, nous dit, en nous exorciser corruption. Un président dans l'histoire d'Haïti qui fait une tentative, c'est le président Noël Alexis, qui était engagé le grand procès de la consolidation. Quelques temps plus tard, nous parlons, il y a plusieurs dans le monde qui étaient condamnés par le président d'Haïti. Ça qui fait ça. C'est parce que c'était affaire gouvernement autonome, et pas affaire société civile. Fois ça, nous dit, c'est toute société qui doit réunir autour de l'autel de la patrie. Pour nous dire, ça fait Haïti pas qu'à développer. Mais pour exemple, pour nous, nous pas attaquer en quel secteur, en quel individu, n'a pas attaqué un phénomène, un mode de pensée, un mode de gouvernement, un mode d'action qui est la corruption, qui implique violence, insécurité, injustice à tout l'autre mal. Ok? Donc, c'est autour de l'hôtel de la patrie, tout le monde a vu nous regrouper. Nous avons posé nos questions. Pour qui ça l'argent ou dirait bien décaissé plusieurs fois jusqu'à présent ou tant pour qu'on fait. Mais ce n'est pas le gouvernement actuel qui décaisse l'argent. Donc, le problème corruption, nous dit, ça qui fait grand dans ce pas de route, c'est à cause de corruption. Ça qui fait pas de bon hôpital dans le pays, c'est à cause de corruption. Ça qui fait si mon école pas de professeur, c'est à cause de corruption. Ça fait un professeur à l'école pas qu'à toucher, c'est à cause de corruption. Ainsi, ensemble de citoyens, ensemble d'organisations de la société civile, ensemble d'organisations paysannes, yo tout yo dit en avant, en déclenché la guerre contre la corruption. Mmh.
Dans l'occasion de la journée mondiale à la diabète, là, mardi 14 novembre 2017, la Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire FADIMAC organise une journée porte l'ouvrir dans le local sous l'allée pour tout le monde qui était intéressé par ces faits tests si que yo sans yo pas ta payer yon goud. D'après information, il y a environ 350 000 moun dans pays a qui vivent avec maladie sik, mais cependant en pile là d'ailleurs pas connait si yo fait sik là à cause yo pas jamais al fait test là d'après yon nan responsable FADIMAC là. Président organisation ça lui même li fait connait René Charles li était tout profiter pendant journée porte l'ouvrier pour l'encourager tout monde qui fait maladie sik pour toujours faire exercice et puis consommer bon gens manger, mais si là yo tout qui fait maladie ça tout faut que yo consommer manger qui pas gain graisse. Donc moun qui peut faire sucre là, l'important pour faire exercice pour capable pas quitter maladie ça lui même aller entrer sous vous, mais tout li bail explication li encourager moun qui fait maladie sucre là yo même pour yo pas manger qui gain en pile graisse là-dedans. On écoute plus explication président FADIMAC là René Charles qui était dans micro Wesley Antoine. Debout atteindre certains âges, ou bien depuis même leurs jeunes, c'est pour essayer d'éviter pour avoir une obèse et pour faire exercice. Ça a permis à obèse, une obèse, exercice régulier, une demi-heure par jour. Vous n'avez pas besoin de soulever poids. Meilleur exercice, c'est la marche. Deuxièmement, pour avoir une alimentation saine. Et il y a 2 ans de ça, nous devons dans les écoles des groupes pour expliquer comment jeunes manger, comment bien manger. Parce que le fait de manger pâté cordé, hot dog, banane pesée, fritaille, bah, ça n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire que si vous faites sucre déjà, vous ne pouvez pas consommer un peu de sucre. Mais l'homme gras ou gain des familles qui fait sucre, qui fait diabète, c'est pour surveiller, pour venir maigrir, parce que du fait que vous venez gros, vous gain hérédité, eh bien, ça capable d'une fois faire sucre. Mais c'est pas manger sucre qu'a professeur. Manger pour diabétique manger, c'est manger qui sain que ou hypertendu, ou monde qui gros, ou bien monde qui veut être en santé, c'est au même pour manger. En pile salade, par exemple souvent assiette, ou partager assiette là toi. Moitié c'est pour les feuilles, salade, tomates, légumes par exemple. Ou quand c'est pour gagner ou viande. Viennent n'a pas doit frire et viennent nous conseiller ce soir cabrit, poulet, poisson, surtout grillé ou bien bouilli mais pas frit. Et troisièmement, vous obligez pour farineux. Ça les farineux. Farineux ce sont des substances qui viennent transformer en sucre l'ensemble. Gain du riz, gain banane, gain yam, gain macaroni. Le monde à malade meilleur, gain malade meilleur. Surtout les jeunes qui vont à l'école, ou bien demander des parents, ça ne va pas être comme lundi, je vais aller à l'école, puis je vais aller manger le midi à la caille. Je vais aller au jambon, au fromage, avec pain. Je vais mettre la chose la plus simple. Je vais au Mamba, je dis oh, si vous avez petit à manger le Pâques Mamba, il a dit que c'est malheureux. Je dis pas une question de malheureux, mais même chaque matin, c'est le Pâques Mamba à manger. Mamba, gen vitamine, il y a des protéines. Et Mamba, graisse, il y a un protégé corps. Donc, plutôt, bye Mamba avec pain, parce que bye ni fromage, ni jambon. Voilà, au top côté René Charles, lui-même qui est président FADIMAC, qui t'a baillé mon explication sur maladie sik là. Donc, d'après information, il y a 350 000 Haïtiens qui fait sik, mais il n'y a pas qu'on est si il fait sik à cause de pas j'aime à faire test maladie sik là. L'autre information, c'est une autre information qui est très triste. Ancien journaliste radio Haïtien Tech qui travaille tout dans radio Kiskeya, et puis il est un ancien député dans 46e législative.
Jean-Laurent Nelson mouri matin mardi nan pays Kiba. Jean-Laurent Nelson mouri en bas yon cancer li te gen plusieurs mois l'a supporté. Donc yon pèt ki la gen famille ak zanmi journaliste là et puis ancien avec parlementaire nan yon gros tristesse malgré collecte qui t'a faite pour te permettre Jean-Laurent Nelson lui-même l'étal prend soin dans pays qui bat depuis plus passé 4 mois avant de mourir. Donc famille était déjà lancé un marathon cadre émission moment vérité pour demander l'argent pour lui pour t'al faire opération dans pays qui bat qui t'a coûté environ 40 000 dollars américains pour te collecter pour te permettre Jean-Laurent Nelson te joindre soin dans pays qui bat. Mais malheureusement, donc Jean-Laurent Nelson famille pas de cas joindre comme ça pour t'aller dans dernier lait où t'arrives joindre comme là. Mais malheureusement, pays qui bat lui-même, docteur lui-même qui très conscient, il te fait qu'on est à 11 semaines avant de dire pas prendre comme ça puisque maladie était très avancée. Il pas arrivé faire opération. Mais malheureusement, et journaliste, ancien député Jean-Laurent Nelson lui-même li mouri dans le pays Cuba. En écouté explication Fabienne René, yon proche défunt qui tape baille explication à Franz Exantus dans rubrique invité journal Réveil Info. Et je l'ai depuis qu'il rentre à Cuba en juin, l'année de juillet, je pense que c'est 18 juillet, il est rentré au Canada, il est allé directement à Quintal Lacali, il est rentré directement dans l'hôpital de Saint-Luc, Canada, côté que il est passé à peu près presque un mois, et madame est venue rejoindre le Canada. Après, il était basé au mini-exéa, côté que il est retourné à Lacali, à Gatineau, Ottawa, et il était venu traverser, non, quoi que c'était le mois d'août. Côté que lui retournait encore dans l'hôpital et dans la chambre, il traversait lui. Alors, il était pour la faire, pour le faire à Cuba au mois d'août, non? Et puis, pendant la fête, effort, ça c'est l'argent pas servi lui. Il est passé à Kayoumoun pour lui faire parler avec nous. Alors, un médecin de famille, et puis le médecin dit non, et Jean Moulin là, ou bien rentrer à l'hôpital directement. C'est lui rentrer lui dans l'hôpital Saint-Luc là. Et puis, tout qu'un d'elle, jusqu'à le dernier jour que lui rentrait à Haïti, c'était ça, et dimanche, je crois que c'était dimanche passé, et samedi passé, non, c'était samedi, mais mercredi, je ne me rappelle pas. C'était le 1er novembre, non, 1er novembre. Oui, c'est peut-être jeudi, et alors mercredi, parce que c'est un samedi, ils font passer et un signal. Oui. Mm-hmm. Le 1er novembre, il tournait à Haïti. Et pendant le tournée à Haïti, nous-mêmes, nous avons dit que nous avons connu que nous avons que notre Cuba, nous sommes capables de jouer. Et ils ont un soulagement, même là, tu as capable de faire le temps, mais au moins, nous avons que tu as bon petit temps, que tu es espéré, que tu es capable de permettre que, au moins, les jouer quelques bagailles de famille, de et amis qui prochent à l'hiver. Mais c'est des malheureux. De nous, avec Cuba, docteur Yo, et jusqu'à ce présent moment, pas qu'on est si. Pendant le temps, Boston Celtic 102 à 109, donc 7 points de cas. Donc les mêmes Boston les continuer à faire point dans basket là côté que chaque équipe li et prend les mêmes les continuer à battre. Donc match cap gagné pour Asoya qui c'est mercredi 15 novembre là a gagné Sacramento qui a joué avec Atlanta à 7h30 match ça à 7h30 a gagné Washington Wizard qui a joué à Miami Heat à 7h30 dans tout. Dans même 7h30 ans, a gagné Utah Jazz qui a joué avec New York Knicks. À 8h, a gagné Toronto Raptors qui a joué avec Nouvelle Orléans. Detroit a joué avec Milwaukee Bucks, c'est toujours à 8h. Et à 8h, a toujours gagné San Antonio Spurs qui a joué avec Minnesota.
et même Utah ça toujours avec Chicago Bulls qui a joué avec Oklahoma City. Utah toujours Indiana Pacers là joue avec Memphis. Dans même Utah ça toujours avec Cleveland qui a joué avec Charlotte. Donc en pile match et ensuite à 10h du soir a gagné Orlando Magic qui a joué avec Portland Trail Blazers et ensuite pour nous finir c'est Philadelphie dans à 10h30 qui a joué avec Los Angeles Lakers. Il y a un match en pile moon à suivre. C'est là on a mis un bout avec journal signal sans force côté pour matin mais avant d'aller n'a rappelé titre qui te fait essentiel journal si là. Séance plénière pour sénateur yoté penché sous rapport commission spéciale qui tape approfondi enquête commission éthique et anticorruption sous gestion fonds pétro caribé à pat rivé dans bout li. Sénateur yo mandé reporter séance pour 30 novembre 2017 là. Yon façon pour ka pi bien analyser document. Nous te gain plus explication avec Josué dans journal la main qui te fait connaître sénateur yo a pa ou lem debout dans cadre dossier si là. Agent Jimmy et Jimmy Boua, c'est un agent de il était sorti dans 18e promotion la police avec Philidor Guy Evans tour agent de il sorti dans 22e promotion la police il est tombé lundi passé en bas coup d'arme présumé bandit dans grand ravide dans cadre en opération garçon pas campé la police il même tal mené lundi dans grand ravide deux policiers ça a perdu la vie trois présumés bandit mouri avec quatre autres jusqu'à présent prend soin l'hôpital et puis la police a été posé la patte sous 31 l'autre monde encore dans cadre opération ça signe qu'à quoi confirmation et porte-parole direction départementale l'ouest police là Jean Ismaël Auguste premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine accompagné directeur général à PNH Michel Ange Gédéon visité à Yamadi à base Udmo dans cité soleil Jacques Guy Lafontaine tal porte solidarité le bail unité départementale médecin d'ordre Udmo pour qu'on est là qui en derrière. Pour l'autre fois, opposition politique l'a manifesté dans la report au prince pour corriger rapport commission sénatoriale qui tape approfondi enquête commission éthique et anticorruption sous gestion fonds pétro-caribé. Une manifestation déjà programmée pour samedi 18 novembre cap Vinila. Pour célébrer 4 l'année existence du collectif 4 décembre dans tête collée avec diverses autres organisations de la société civile là annoncé un manifeste pacifique pour mardi 5 décembre 2017 là dans la rue Port-au-Prince un marche qui visait dit non à la corruption et qui abrace bien le pays là. Donc nous t'écouter Anne Marie ça qui était tout lancé un appel by toute nègre politique pour pas venir faire politique dans marche là. Ancien ministre justice Camille Junior Edouard Boudé convocation commissaire gouvernement Port-au-Prince comme il était déjà déclaré ça. Cependant Camille Junior Edouard t'a voyé avocat li Franck Vaneus Napoléon Lotu à Kayolot qui s'est bientôt dorsé à le représenter li devant Oknam Kame Dameus qui lui-même pas même présent dans parquet hier pour te recevoir moun si la yo. Ancien journaliste Radio Haïti Inter et puis ancien député dans 46e législature Jean-Roland Nelson mouri à Yamadi matin dans pays qui bat. Jean-Laurent Nelson qui te gagné 59 l'année 59 récolte café sous tête li mouri à un cancer li te gagné plusieurs mois la pas supporté. Ce titre ça a quelques enfants qui te fait essentiel journal signal sans force à côté pour matin mercredi 15 novembre 2017 là journal ça lui même li te rivé possible grâce à support toute équipe ça la nouvelle là manœuvre technique Fabrice Bolané production Ferro de Source coordination Josué Lexidor en bas supervision Tom Dumont rédaction Arnold Dorsius et puis encore présentation les mêmes toujours Arnold Dorsius Cap Mandoré branché signal FM pour suivre toute reste programmation yo.